Kevin et Vicky m'ont demandé de construire un refuge dans les montagnes bleues de Caroline du Nord. Ils veulent un endroit où ils pourront se détendre et prendre du bon temps au milieu de la nature. Mais le seul problème, si on ne trouve pas de roche, on ne pourra pas poser les fondations sur cette colline. Albert, essayez ici! On n'est pas loin! Il enlève des pierres, on se rapproche! C'est bon signe! Heureusement, Albert trouve enfin une base solide. Bravo, mon ami! Maintenant qu'on a trouvé la roche, on se met au travail. Pendant que le béton est coulé, j'en profite pour présenter mon projet. Salut! Salut, les amis! J'ai des choses à vous montrer. Les plans? Exact. Joli. On a parlé des textures et des couleurs. Oui. Je veux que ce refuge se fonde dans le décor et qu'il donne l'impression d'être centenaire. Oui. Parfait. Nous allons recouvrir les façades avec les planches récupérées sur la remise à tracteur. Kevin voulait une terrasse, alors on va lui créer l'endroit idéal pour admirer la beauté de cette vallée. Derrière la bâtisse, nous installerons un foyer extérieur. Un chemin mènera jusqu'à un spa qui offrira une vue imprenable sur la cascade. J'adore. Je veux aussi rappeler le thème industriel du moulin. J'adore le côté industriel, vraiment. C'est vrai? Super. À l'intérieur, nous accentuerons l'impression de grandeur grâce à une charpente apparente. Au sol, l'espace sera très ouvert. Et pour la cuisine, je vais créer un double îlot roulant qu'ils pourront sortir facilement en cas de besoin. Ce sera aussi bien pour dedans que pour faire la fête. J'adore. Dehors. Génial. Ils rouleront jusqu'à la terrasse. Mais j'en dis pas plus. On vous réserve quelques belles surprises. Pour qu'ils profitent pleinement de la vue, je vais les surprendre avec un effet aquatique spectaculaire. On va ajouter des lumières extérieures pour éclairer la cascade comme un feu d'artifice.